second real soon. Eh oui, les amis, bonjour à tous et bienvenue à ce merveilleux, merveilleux Trader Show. Aujourd'hui, pour vous, on a plein de choses à discuter. Et on va commencer avec les fameuses pépites du jour. On a une pépite live présentement qui est en train justement de monter et monter. Manqué tout simplement à cause du Trader Show. Au moins, on a notre ami Léo qui est in et de sûrement d'avoir quelques-uns d'autres. Donc, super beau stock. Low float, comme on les aime, INPX, c'est 13 millions, donc à 75 sous, là, il y a de la marge. Là. On peut exploser totalement. Et il y a beaucoup de volatilité dans ce stock-là. C'est à faire attention parce que, justement, c'est un low float et quand ça flush, ouh, ça drop vite. Et quand ça monte, ouh, ça monte vite aussi. Donc, INPX, c'est un très bon stock à regarder. Je la focusais autour du 72. Comme vous commencez à me connaître, je suppose bien, c'était assez facile, assez clair, qui était là. J'étais focus, mais malheureusement, je manquais d'une fraction de seconde et le Trader Show arrive et tout ça. Donc, finalement, tout manquait le move. J'étais prêt à 7500, donc à 72 environ. Et 72 à 79, ça vous donne une idée, c'est environ un 500 US manqué, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va s'en reprendre cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe avec INPX? Elle sera à regarder aujourd'hui. Elle va le faire des nouveaux hauts, à un certain moment. On va se remettre à faire un bull flag. Pourquoi encore une fois, on va regarder ici les volumes de vendeurs, donc les volumes rouges. Était en diminuant, c'était de plus en plus clair. Et explosion totale après ça pour celle-là. Donc, INPX, super beau stock. Manquez-le pas. Deux petites secondes, je vais aller voir ailleurs. J'essaie de retrouver live avec Luc pour voir si jamais il y a des questions, des choses comme ça. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Actuellement en direct. Donc, c'est ça. INPX, à mon avis personnel, sera pas loin du stock du jour pour le trading, pour nous autres, pour ce qu'on a besoin de faire. Il y en a d'autres, je vais vous les montrer, mais INPX, super beau stock. Et c'est à focusser. C'est à focusser parce que quand un stock se met à monter, donnera pas juste un move ou deux moves, il peut en donner 3, 4, 5, 6 et des bull flags, par-dessus bull flag, par-dessus bull flag. Donc, on a perdu Luc ce matin, malheureusement. On aurait pu l'avoir, mais on va faire un petit Trader Show, tout simplement. Donc, bienvenue Dark et Ash en passant. Donc, c'est à peu près ça pour INPX. On va passer à d'autres stocks enfin pour vous. On va regarder le stock d'enfer qui nous permet de se gâter à la bourse souvent. Donc, c'est VISL. Donc, VISL, aujourd'hui, regardez ça. On est parti de 1,70$ à 8$. Donc, 351% de hausse. Ça n'arrêtera plus jamais. Donc, attention. Parce que de ce que je vois, on est près du support. Et quand ça va se mettre à descendre, faudrait pas être dans le stock parce que, justement, ça monte de 350% dans la journée. De combien que ça peut descendre? On s'entend. Regardez ce matin, on est parti de 7 à 5. On a remonté à 7,50. On est redescendu à 6. Remonté à 7,50. Redescendu à 6,30. Remonté à 8. Donc, il y a tellement d'argent à faire, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Ce n'est pas nécessairement facile d'être dans un stock comme ça. Il y a tellement de volatilité. La seule façon facile, c'est d'avoir acheté ici en bas.
Mais sinon, rien de facile présentement sur VISL, mais elle sera à regarder cet après-midi encore parce que là, on est en train de faire encore un bull flag, même s'il n'est pas clair, il n'est pas beau. Et on voit un wedge, donc le wedge habituellement veut dire une drop. Donc peut-être qu'après 350%, 350%, on s'entend, c'est déjà pas si mal. Donc, ça sera à voir, mais pour l'instant, je penche plus vers une descente aux enfers qu'une hausse d'enfer. Donc, VISL, pour moi, c'est pas un stock de petites secondes. J'ai un appel de Luc. Est-ce qu'il va se joindre à nous? Oui, mon cher Luc. Oui, Luc. Je suis là, Oui. excuse-moi, le temps de préparation en fait du broadcast ici. Tu sais, tu as démarré l'émission, on était ensemble au téléphone et je t'ai dit, attends un peu, on ne pouvait pas, il était 18h et enfin là-haut, au broadcast, ils m'ont mis avec toi. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Comment ça va, Dani? Ben oui, ça va super bien. On vient de retrouver notre Luc, les amis. Ah, On l'a vous... retrouvé. On applaudit Luc. Ah ben, vous allez On nous faire l'avait quand perdu même. dans les buissons et on vient de le retrouver à l'instant. C'est gentil. Bonjour Luc, comment va-t-il Moi, aujourd'hui? ça va tellement bien, Dani. Tu peux pas t'imaginer. En Amérique du Nord, vous êtes fou, absolument fou. Votre ami Powell nous a fait monter les marchés sans le vouloir d'une balle assez incroyable. En tout cas, oui, 20h le FOMC, tu seras devant ton écran, peut-être, je ne sais pas. Mais ça monte absolument très bien. T'en es où? Cannabis ou pas cannabis? Ah, pas cannabis, mon cher Luc. On en reparlait un petit peu plus loin, mais là, on parlait d'un stock qui ne monte pas vraiment beaucoup, qui est seulement à plus 315% présentement. Donc, on va espérer que ça monte à 1000% Ouais, je me aujourd'hui, disais, il est devenu fou, Luc. 315%, ça monte pas des masses. Bah si, c'est monté très fort, n'importe quoi. Toi, tu t'attends à 1000%, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est comme stocks? Non, je faisais Bien des sûr. blagues parce que c'était déjà à C'est énorme. 350%. Puis là, je l'ai dit, là, comme tu vois ici sur la graphique, on avait une grosse ligne de tendance et un wedge en plus, et je venais juste de le mentionner. Et d'après Toujours break, moi, hein? possibilité de Ouais, toujours redescendre break, autour de absolument. 5 $. Donc, pump and dump, peu importe, je n'ai même pas vu la nouvelle, je ne veux rien savoir de la nouvelle de VISL. On la trade quand on voit des beaux graphiques. Quand il n'y a pas des beaux graphiques, on la trade tout simplement Évidemment, pas. évidemment, évidemment. On a parlé aussi du petit INPX qui est ici. On a Léo qui était in, je ne sais pas s'il est sorti, peu importe. On était très focus, mais c'est arrivé à midi moins 4, 3, 2 environ. Donc, j'ai comme pas pu embarquer vraiment, là. Donc, malheureusement. Mais beau petit move qui s'est passé sur INPX qui sera encore à regarder après-midi, après le prochain bull flag qu'on va travailler ici présentement. On est déjà dans les pépites, mon cher Luc. Donc, Il est temps que j'arrive. toi, comment ça va, le trader de stock US par chez vous? Ah, si, si, bien sûr. On en a, surtout qu'en plus, je ne sais pas si tu le sais, Janaï, qui a rejoint l'équipe des animateurs de la TV For Money, Janaï, il fait Oui. en fait, tu sais, tout ce qui est propre à la game industry. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui est OK. Nintendo, tout ce qui est Ubisoft, tout ce qui est même les processeurs graphiques comme Nvidia et toutes ces choses-là. Forcément, on traite énormément. Et puis surtout, tu sais que moi, j'adore regarder les GAFAS à l'open. Et là, les GAFAS, j'avais vu 202 vers 204 pour Apple et on a été à 203,72. Autant te dire que c'est juste du bonheur, quoi. Voilà, c'est tout. C'est... Ouais. Ben oui, c'est certain pour ça. Mais là, on n'est pas dans ma catégorie parce que moi, justement, quand c'est un peu trop cher, ça m'enlève tout de suite de l'intérêt. Je n'ai pas de raison particulière, mais je me sens tellement bien dans les penny stocks que je trouve ça un peu emmerdant d'aller sur un stock qui va monter de, t'sais, 1% ou 2%. Donc, je les regarde un peu moins. Mais on va continuer, mon cher Luc, avec d'autres superbes Bien pépites sûr. pour aujourd'hui. On a Atis qui est là. Atis qui est ATIS. Donc, super spike ce matin avec des bons volumes. Là, on est à quelle étape, mon cher Luc? On est à l'étape d'épuiser les vendeurs. Donc, Pullback à 50% de la moi. montée. Ben ouais, c'est ça. Je n'ai pas regardé à combien qui finit. On peut le regarder vite fait. 2 secondes. Fibonacci. Donc, approximatif, évidemment. On est à peu près à Ouais, on a même 50%. dépassé Ouais, c'est 50 %. ça. Donc, c'est douteux. Mais l'avantage de ce stock-là, super low float. Aujourd'hui, c'est un petit peu un party de low float parce qu'on a VISL à 2,25 millions
INPX, 13,14 millions, mais ça, à 79 sous, là, c'est un ultra low float. Là. On a Atis à 3,44 millions. Et on va regarder maintenant VLRX, qui lui est à 5,31%. Donc, 5,31 millions de float. Donc, souvent, ces floats-là, justement, ils n'ont pas beaucoup d'actions sur le marché. Ils sont faciles à pomper. Donc, regardez les quantités ici que ça a pris pour la faire passer de 3 à 5. Donc, très faible volume. Et regardez à l'ouverture combien qu'on en revend durant toute l'ouverture. Donc, ultra payant pour ceux-là qui ont pompé le stock. Et probablement, on a cette ligne de tendance-là. Ah, je voulais faire un Fibonacci, 2 secondes. On a cette ligne de tendance-là qui vient de casser. Donc, il y a peut-être une petite possibilité de hausse, sauf que j'y crois pas plus que ça. Donc, VLRX, à regarder, c'est toujours une question de focus, Luc. VLRX peut exploser et peut exploser à la hausse ou à la baisse. Mais si on n'est pas focus, on va manquer, peu importe le move qui va arriver. Et si on est focus, on peut arriver justement à se gâter pas mal parce que cette action-là est à 5,19 ce matin. Donc, on peut retourner dans 4, 4,50, 5 facilement. Donc, si vous voulez peut-être attraper ce type de mouvement-là, gardez-le en focus de côté et on verra bien qu'est-ce qui va se passer un peu plus tard pour VLRX. VLRX, d'accord. On a HLIT, H-L-I-T. Donc, HLIT, plus 26%, 88 millions de float. Là, on s'entend, on est dans une autre catégorie de float. Et tu vois, oui, la hausse, les matins, c'est frénétique. Là. Mais on voit qu'après ça, la stabilité s'installe parce qu'on a 88 millions d'actions. 88, c'est pas si mal parce qu'on s'entend, on en a qui ont des milliards d'actions. Mais on s'entend qu'en bas de 30 millions, ça bouge tranquillement. Oui, vous pouvez être relax, embarquer dans un trade, puis passer 2 heures là-dedans pour espérer de faire 5 ou 10 sous. Mais c'est plus ou moins mon style. Donc, HLIT, oui, mais non. Étant donné du prix aussi, 7,58 $. Donc, rendu là pour moi, là, il commence à toucher mes paramètres que j'aime pas. Donc, aussi bien d'oublier ça tout de suite, HLIT. On a aussi Atis, mon cher Luc. C'est-tu allé? Non, c'est VL. Un peu, je suis mêlé là, parce que là, mon Atis quest-trade... a tracé déjà le FIBO là-dessus. Oui. Donc, VLRX, on avait regardé. On a AKTS. AKTS, 30 millions de float. Qu'est-ce qu'on peut voir de tout ça? On s'entend qu'il y a une ligne de résistance autour du 6,52. On a rejeté le 6,60. Tantôt, j'ai fait un petit move là-dedans, justement, sur AKTS, je crois, 2 secondes. Non, c'était même pas AKTS. On est en a tellement lieu qu'on se perd là-dedans. Si AKTS, tu l'as là, AKTS, bien sûr. Oui, bien, c'est ça. Puis, cette action-là, belle action, beau flow, tout est bon. Donc, ça sera à regarder l'évolution. Là, on vient de faire un mini spike. Reste à voir si on va faire un mini bull flag ici pour enfin éventuellement casser le 6,50 officiellement et que là, ça parte pour de vrai. Et là, bon, ben, peu importe les prochains niveaux, ça peut être 7 ou à peu près n'importe quoi parce que les semi-low float, ça peut monter quand même pas si mal. On a une autre belle petite action. Ces temps-ci, Luc, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions en bas de 1 $ et on se garde de partout. C'est vraiment hallucinant de tout voir ces gains-là, ultra facile. Parce que si on regarde FCL, là, on était à 13 sous, ça a monté à 1 $ en 2-3 jours. Et là, on est en train de faire le bull flag. On aurait pu aujourd'hui se mettre à exploser. Ça a commencé à monter, c'était correct. Mais on s'entend, la hausse a déjà fait. On était à 13 sous, ça a monté à 1 $ et là, on est autour de 73 sous. Donc, rendu là, est super belle, mais ça a déjà tellement monté que c'est plus ou moins intéressant. Et on le voit de toute façon, les volumes ne sont plus là. Les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. On a des petites hausses, mais même les bids que vous allez voir ici
les bids ne montent pas, même si ça achète 73, 74, même si ça monterait à 75, bien ici, on risque de monter à 73, 01, 73,5. Ça, ça me démontre. Tu es en 5 minutes, là, sur celle-ci? Oui, je suis toujours en 5 minutes. Tu sais qu'elle suit, elle suit le dos, hein, ta valeur. Hein. Elles ont, depuis tout à l'heure, je regarde la forme de tes courbes. Et c'est les mêmes courbes que les indices. Hein, c'est exactement la même courbe que le dos. Et a priori, elle pourrait décoller ce soir au FOMC. Hein, ça pourrait être énorme. Hein, chez vous, 14h, chez nous, 20h. Ça pourrait être pas mal, quoi. Ben oui, mais je doute parce que justement, il y a trop eu de hausse. Et là, oui, peut-être qu'il ressemble au dos, mais vous allez voir quand ça va se mettre à crasher, là, le dos, là, il sera plus là, ça changera plus rien parce que la hausse était trop grosse. On a besoin de bids et je vois pas les bids sur cette action-là depuis ce matin. Donc, quand même qu'on monte à 74, vous voyez, juste 600 vendeurs. Les acheteurs vont rester là. Mais habituellement, quand un stock veut monter, Luc, on va toujours être collé, le bid et le ask. On va toujours être très, très, très près. Par exemple, on sait, pour faire exploser le 74, il faudrait au moins qu'on soit à 73,7, 73,8, 9. Et là, moi, j'aurais un intérêt d'acheter parce que mon risque serait enfin géré. Mais là, présentement, il n'y a pas de gérance de risque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bid. Pourquoi il n'y a pas de bid? Parce qu'on a déjà beaucoup monté et qu'à mon avis personnel, l'intérêt n'est peut-être plus là présentement à ce prix-là. Donc, plus ou moins intéressant. Est à regarder, elle est super belle. Mais ça me surprendrait qu'on ait un super breakout d'enfer et que ça se mette à monter en fou pour F-Cell. En tout cas, ce n'est pas parti pour. Hein. Ça s'essouffle complètement, ça vient taper le support. Tu es à la limite d'un breakout, on peut tomber au carré, ça peut tomber très bas. Hein. Ça peut être le breakdown qui s'en vient parce que justement, l'intérêt n'est pas là. Mais bizarrement, on peut dire que l'intérêt est plus ou moins là à la vente aussi parce qu'il y a peu de vendeurs sur le ask. Donc, c'est mitigé. Ça sera regardé un petit peu plus tard pour F-Cell. Les graphiques sont là, sont clairs. Où ils essaient de nous prendre dans une trappe à rats, comme j'appelle souvent. Souvent, là, je ne sais pas si tu as remarqué ou tu le remarqueras dans le futur, mon cher Luc. Quand on arrive sur un spike, okay, là, on parle d'une action qui est partie de 13 sous et qui est montée à 1 $. Autour du 1 $, par exemple, autour du 80 à 1 $, là, on va faire un méga bull flag, un super gros bull flag. Pourquoi? Pour donner l'impression aux gens qu'on est dans un bull flag et qu'on est dans une formation de continuation de la hausse. Pourquoi ils font ça? Pour pouvoir écouler leur stock. Tout le long qu'ils vont avoir des grosses quantités d'enfer, dans ce bull flag-là, ils vont diminuer leur position, dropper. Et ils risquent même d'avoir un breakout de ce fagnon-là, mais même s'il y en aurait un, il va se refaire domper par les gros qui en ont des millions d'actions et on n'en verra pas le bout. Donc souvent, tu remarqueras ça, toujours un gros, gros bull flag au top sommet de ce qui se passe pour embarquer tout le monde, pour faire croire à tout le monde que ça va continuer à monter. Attirer les acheteurs. Exactement. Okay. Ça attire les acheteurs. Et quand le breakout va se passer, il va tellement avoir d'acheteurs qu'eux vont en profiter pour en vendre dans cette grosse quantité d'acheteurs-là et démontrer aux gens que ça va être, par exemple, soit un double sommet, soit un fake out. Donc, ce qui veut dire on dépasse le sommet, mais on le fake, on le redescend. Tous les moyens sont bons pour pouvoir justement liquider nos stocks. Donc, vous remarquerez ça dans le futur. Après des grosses hausses, on a souvent le bull flag pour justement attraper un paquet de rats dans le bull flag. Évidemment. Ensuite, on va regarder CTRV. CTRV ultra low float, 803 000. On voit pratiquement jamais ça en bas de 1 million. Celle-là, 803 000. C'est des actions ultra dangereuses, mais les gains sont absolument phénoménaux dans ces cas-là. Si on regarde ici, regardez, il y a eu un split, mon cher Luc, 1 pour 70. Je sais que tu les aimes, les splits. Oui, les splits, je commence à être pas mal pro là-dedans. Et on a eu un split ici, et regardez ce qui s'est passé. On était à 5 $,
Spike à 15 $, redescend à 6, remonte à 14, redescend à 6, remonte à 16. C'est ça des low floats. Des low floats, on ne sait pas où ça s'en va. Ça explose, c'est le party, ça crash, le monde se met à pleurer. Bon, c'est comme ça les low floats, mais ça, c'était Hervé. Vraiment, une action à regarder, à focusser, parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent à faire là-dedans. Ce n'est pas à tous les moments que c'est bon d'acheter, mais ça, quand on voit une certaine stabilité s'installer, là, la stabilité est là, ça bouge plus ou moins, et à un certain moment, vu que c'est un low float, on voit un super beau bid arriver, donc un gros acheteur qui va arriver sur le carnet d'ordre, et ça, ça va être mon alerte. Go, mon ami, embarque, parce que ça risque d'exploser. Donc, c'était Hervé. Un des plus beaux stocks du jour, moi-même, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas focusé, mais là, elle vient d'arriver sur nos scanners. Donc, quand même, très beau stock à regarder pour cet après-midi. Un petit coup de pub. Oui, on va y aller pour une petite pub avec Luc. Ah ben oui, je suis obligé. Allez, une petite pub et on revient tout de suite avec Dany. Pour d'autres pépites, on va parler du cannabis ou pas, Dany, après? Oui, on va parler de tout, on va faire un résumé de tout. Génial, et aussi de la crypto. À tout de suite, en tout cas. Merci, Dany. À tout de suite. Et c'est reparti pour le Dany Murray Show, le trading show, celui qui paye, celui qui effectivement permet de générer des gains. Pourquoi il permet de générer des gains, si tu me le permets, Dany, tout simplement parce que ce sont des valeurs à petite face nominale, c'est-à-dire que tu peux acheter de la penny stock avec quelques cents et tu as tout d'un coup un 130, même 1000% tout d'un coup qui décolle parce qu'il y a une actu dessus. C'est ça une penny stock, mais Dany s'est diversifié et il ne fait plus que ça, il fait aussi de la crypto et du secteur du cannabis. Exactement. Donc, dans les penny stocks, il y en a, parce que les penny stocks, il y a des penny stocks de crypto, il y a des penny stocks de cannabis, il y a des penny stocks de tout. Donc, quelque part, je reste encore dans ma zone de confort, mais dans certains secteurs précis. Donc, on va juste finir le petit tour des pépites. Après ça, on va regarder le cannabis, on va regarder les cryptos, c'est la frénésie. Donc, on regarde ça, on va finir... assez rapidement. Donc, on a AETI. AETI, low float, super bon prix. Tout est là pour AETI. Donc, focusser AETI aussi. Ce matin, Luc, là, il y avait des stocks partout. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude, là, mais je suis arrivé là, comme un chien dans un jeu de quilles. Et il y avait des stocks qui explosaient partout. Je ne pouvais pas entrer nulle part et tout ça. Et tout d'un coup, tout s'est calmé. Mais tout s'est mis à descendre et là, bon, il ne se passe plus grand-chose. Donc, mais là, tout est en train de reprendre et AETI sera à regarder. On a Arex qu'on s'est gâté là-dessus hier et qui est reparti à ne pas manquer, les amis. Le bull flag sur le quotidien va peut-être enfin casser si on le regarde ici présentement. On est pas mal à la limite là, de ce qui peut se passer. Donc, ça sera à voir, mais cette action-là, j'en ai fait cette semaine avec. Merci à Rex. Et on va espérer de continuer à en faire parce que, par exemple, juste pour te donner une idée de la chose, Luc, pour ici, à Rex, le breakout était à 31. Quand on arrive à 31, moi, habituellement, je peux en acheter 10 000, 20 000, 30 000, ça ne change pas grand-chose. Mais pour vous donner une idée de la chose, pour 3 000 $ US d'investissement à 31, en 20 minutes, vous pouvez faire 300 $ US 10%. De profit. Donc, c'est très court. Les mouvements sont très intéressants parce que, justement, ça ne monte pas d'un demi pour cent comme du Facebook ou du Twitter ou ces choses-là.
Et quand ça monte, et on n'a pas besoin d'un gros capital. Je parle de 3 000 $ US, on ne parle pas de genre 25 000, plus de la marge, plus ci, plus ça. C'est that's it, that's all, 3 000. Et les gens vont dire, les penny stocks, c'est risqué, c'est risqué. Je vois pas où il y a le risque à investir, à scalper ou à trader un stock et mettre 3 000 $ US dedans. C'est très faible comme montant à mettre. Le risque est ultra faible. On s'entend, même si on achète à 3 000 $ US, ça ne descendra pas à 1 000 $ en une demi-heure, là. Donc, le risque est très géré. C'est super facile à trader. Et c'est pour ça que je te disais, il y a beaucoup, beaucoup d'actions en bas d'un dollar. Et j'adore les actions en bas d'un dollar. C'est là que je me gâte le plus en général. Donc, Arex, vraiment, vraiment à regarder encore une fois après-midi. Autre beau stock, 93 millions, mais étant donné du prix, ça donne presque un low float. Donc, possibilité de super gain sur Arex. On a Solo aussi qui n'arrête pas. Donc, Solo depuis quelques jours, qui est encore là. Ça ne me tente même pas d'en parler parce que je ne l'aime pas plus que ça. On avait SEAC, encore un beau bull flag, parti de 1,40 $ à 1,55 $. Fais le calcul des pourcentages, ça va très vite les pourcentages dans les penny stocks. Donc, tu mets 3 000 $ là-dedans, tu fais 1, 2, 300 $ et on revend encore une fois. Donc, il y en a beaucoup. OBLN qui en a pris quelques-uns par surprise ce matin. Donc, pas vraiment regardé pour moi. On a Décor, DCAR, Low Float encore une fois. Elles ont Très toutes la beau. même tête, hein. Elles ont toutes la même tête, hein. Oui, C'est. ben c'est, tu sais, à quelque part là que je suis dans les top gains du jour. Donc, à quelque part, pour être dans les top gains, il faut que tu aies monté quand même beaucoup et éventuellement, il faut que tu fasses un bull flag. Donc, il y en a, comme je vous dis, il y en a qui redescendent au complet et on ne la regarde pas parce qu'il n'y a pas vraiment de bull flag, mais les autres qui vont survivre à cette apocalypse-là, ben, ce sont tous des potentiels pour l'après-midi. J'en ai parlé souvent parce que souvent, l'ouverture, Luc, là, est très difficile pour moi. Dans les derniers jours, semaines, ça va bien pour moi, même à l'ouverture, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis rendu quand même assez bon le matin. Moi, ma force à moi, c'est pendant l'après-midi, quand tous les bull flags se sont dessinés pendant 2, 3, 4, 5 heures et que là, ils sont clairs, nets et précis, et là, après ça, ça se met à monter. Habituellement, le matin, j'ai une chance sur deux que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Mais là, ce temps-ci, ça va mieux. Mais avant ça, je pouvais commencer ma journée à moins 500. Puis je savais très bien que j'allais reprendre mes pertes au courant de la journée. Faut de Et c'est l'expérience pour juste. ça, hein. Faut de l'expérience. Tout le monde ne sait pas le faire. Quand tu te prends à moins 500 dès le départ, faut le tenir quand même. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que tu es rentré souvent plus tôt qu'il n'aurait fallu et que l'opportunité n'était pas présente et que tu as voulu un peu anticiper le signal. Mais faut de l'expérience, Dani. C'est pas donné à tout le monde. Tu te prends 500 dans la tête et tu dis t'inquiète, de toute façon, on va récupérer. Hein. Ben, c'est ça. Puis, comme je te dis, j'ai tellement l'habitude. Puis, j'ai tellement eu des catastrophes. Je pense que j'en avais fait une vidéo, là. J'étais à moins 800 un matin par rapport à une bad luck, peu importe. Et là, ça a été remonté, remonté, remonté. Je l'ai fait en vidéo, je l'ai montré, tout ça. Donc, mais ça, à mon avis, c'est la force d'un bon trader. OK? Parce que c'est pas difficile, là, de perdre 500 $ le matin, là. Ah non, On c'est pas arrive, mauvais difficile. trade et. Ben c'est ça, mauvais trade, et en plus, le matin, ça bouge extrêmement vite. Donc, la catastrophe, et là, boum, moins 500. Là, tout va mal et tout ça. Mais la force des vrais bons traders, c'est qu'ils ne vont pas se laisser décourager, ils ne Ah vont bah pas oui. perdre patience avec Du ça. flegme. Et Du ils vont flegme. être conscients que l'après-midi, c'est plus facile et que s'ils sont là, ils risquent de tout reprendre ça et même beaucoup plus. Donc, mettez ça dans votre tête. Le matin, ce n'est pas toujours facile, mais la force d'un bon trader, ça va être de reprendre. Parce que Bien si sûr, lui. tu mets tout ça ensemble, okay? Une perte le matin qui finit à zéro en fin d'après-midi. Le lendemain, oh, une journée de plus 500, plus 1000, plus 2000. Le surlendemain, un moins 500 le matin, mais tu le remontes l'après-midi. Donc, beaucoup de zéro ou de près du zéro, mais quand tu as une bonne journée, celle-là est toute dans tes poches au complet, par exemple. Donc, souvent, c'est des choses qui arrivent et je m'en fais vraiment plus avec ça. Il y a des journées que ça va très bien, il y a des journées que ça va très mal, mais à travers tout ça,
on tire notre épingle du jeu et on fait monter notre compte. C'est ce que je continue à faire ces temps-ci. Donc, pour les pépites, mon cher Luc, ça va avoir fait le tour. Il y en a d'autres, mais à un moment donné, ça finira jamais. Oui, puis on va pas tout trader. On va pas tout trader de toute façon. On attend aussi un gros événement ce soir. Donc, je pense que les pépites que tu nous as données, de toute façon, sont les meilleures. Donc, on va voir après. Oui, c'est clair que ce sont les meilleures. Voilà, ce soir, on verra aussi un petit peu comment ça va se passer. Tu vas nous parler de quoi? Tu vas nous parler du cannabis ou de la crypto? On va faire un mini tour de cannabis tout de suite. Alors, donc, juste j'ai une info. Oui, vas-y, mon cher. Tu connais la marque Sephora? Tu connais Oui. Sephora en Espagne, figure-toi, qui font tout côté cannabis. Alors, tu vas me dire, Luc, ce n'est pas le seul endroit où ils le font aux États-Unis. Vous avez des shops, non pas des coffee shops, mais des shops avec tout un tas de produits dérivés de cannabis. C'est-à-dire que maintenant, la plante intrinsèquement ne se vend quasiment plus. Puisqu'il y a tellement d'offres, puisque maintenant, c'est légalisé côté américain et Canada. Donc, c'est tellement, tellement abondant qu'ils sont obligés de faire des dérivés de cannabis. Et figure-toi qu'à Barcelone, on a un Sephora dentifrice, crème pour les mains, crème pour le visage. En fait, tu sors la bœuf toute la journée et t'exposes tous les mecs qui, tu les rends stone, quoi. Tu vois, tu fais un bisou à ta nana, tu rends complètement stone, tu planes pendant 107 ans, même si elle ne s'est pas épilée, au moins tu vois que dalle. Ça, non, je déconne, bien sûr. C'est bien, qu'ils en sortent des produits, je n'ai rien contre ça. Ils feront ce qu'ils veulent avec. Mais si on fait le tour de tout ça, comme tu dis, il y en a beaucoup de cannabis. On pensait qu'il allait avoir des plus gros profits dans ces compagnies-là. Finalement, pas tant que ça. Et là, justement, les US vont tomber légal. Même l'Europe commence à en parler. Ils vont en parler un peu partout. Et tout le monde va tomber légal. Donc là, si on a de la misère à faire de l'argent présentement en étant presque toute seule à être, à avoir le cannabis légal, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Donc, pour l'instant, pour moi, si on regarde ici, là, on va regarder le graphique quotidien de ACB, notre classique qu'on regarde toujours. On a épaule, tête et peut-être épaule ici. La suivante, okay. Ouais. On est peut-être à un moment de retournement. Ça fait quand même pas loin d'un mois qu'on est en train de faire un bear flag. Donc, on va le regarder ici. On va enlever quelques lignes, deux secondes. Removal terrain. Donc, on a notre ligne ici. Deux petites secondes, on finit par l'avoir. Et on a celle-là ici. Donc, très long bear flag, on s'entend, là, ça peut durer encore un mois et demi. Pour l'instant, si on regarde très court terme, on a fait un fond plus haut ce matin. Donc, ça fait un bout que je n'ai pas vu de fond plus haut. C'est peut-être positif. Donc, ce sera peut-être retour au focus secteur cannabis dans les prochains jours, mais pour l'instant, rien n'est clair. C'est pas avec un plus 2 sous ce matin là, qu'on va se mettre à s'énerver sur ACB. Là. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien à faire, mais on commence peut-être à voir des signes intéressants de ce qui peut se passer. Donc, ACB sera peut-être à regarder. Pour l'instant, je ne suis pas encore focus, je ne suis pas encore en train de regarder ces stocks-là. J'ai vu un call sur le chat, on va aller le voir tout de suite. AMP, qui est en feu 16%, je l'ai même vu, en tout cas. Ça, c'est nos merdes classiques, Luc, et tellement agréable à trader. Super Spike, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Très beau stock que je suis habitué, mais ces temps-ci, j'ai juste un écran, j'ouvre même pas mes autres écrans. J'en ai plein les bras juste avec un écran. Et je n'ai pas vu M, je n'ai pas vu le secteur cannabis. Les cryptos vont moyen ce matin, en tout cas. Là. On fera un petit tour des cryptos tout de suite après. Donc, AMP sera regardée. Elle est peut-être tout simplement toute seule. Et n'oubliez pas que AMP, c'est le dérivé du cannabis. Ce n'est pas du vrai cannabis. Ça ne gèle pas, cette plante-là. C'est une plante pour pouvoir faire du plastique, du linge. Tu peux tout faire avec ça. Ah, c'est une base, en fait. C'est une matière première qui sert. Mais c'est quand même végétal. Je veux dire, ce n'est pas un truc. C'est ça. Mais avant, c'était illégal, Luc. Ça fait juste à peine 6 mois qu'on est tombé légal avec le AMP. Donc, c'est un neuroleptique? Ils l'ont mis dans la même catégorie que le cannabis parce que c'est une plante de cannabis, mais il n'y a pas de THC là-dedans. Donc, ils ont finalement décidé aux États-Unis de le remettre légal après, je pense, 40 ou 50 ans de prohibition pour hemp. Donc, c'est peut-être pour ça cette vague qui arrive avec hemp et ce sera à voir un peu plus tard. On regardera tout le secteur en entier pour se faire une vraie bonne opinion de tout ça. Donc, ensuite de ça, on a CGC qui sont dans nos classiques cannabis.
qui vont faire, à mon avis, probablement tous les mêmes types de graphiques. Vous voyez ici, là, on fait des mèches autour du 38. Quand ça va casser, ça ira pas bien. Pour l'instant, on survit. Exo, pareil. Ça descend. Exo, là, on est à 8,40. On est rendu à 4,95. Donc, vous voyez, quand même, bonne baisse qui est arrivée. Et moi, j'en parlais ici, je crois que c'était fini le cannabis. Et le cannabis, finalement, me donne encore une fois raison. C'est game over pour l'instant. Mais je change très vite d'opinion en tant que trader. N'importe quel trader change vite d'opinion. Encore plus un scalper. Mais là, présentement, en tant que trader, regardez ça, il y aura peut-être un petit peu de focus à faire dans les prochains jours, semaines, pour voir s'ils veulent vraiment remonter. Sinon, ça va aller encore plus bas. Donc, c'est à peu près ça pour le secteur cannabis, mon cher Luc. Il n'y a pas grand-chose, mais ça reste encore incertain, quoi qu'il arrive. On n'est pas dans le gros boom du cannabis actuellement. On l'a passé, à mon sens. On a mangé notre pain blanc, comme on dit. Là, actuellement, il va vraiment falloir attendre un petit peu. Aussi parce que certains pays comme la France qui vont le légaliser, sans passer d'ailleurs par l'étape médicinale, ils passent directement au récréatif. Mais la France, c'est pour toute autre chose. C'est simplement pour pouvoir encaisser des taxes supplémentaires et des impôts supplémentaires. Ça va remplacer, tu sais, les anciennes taxes des buralistes quand ils vendaient les cigarettes. Donc, ils ont besoin, en fait, d'un complément. Et c'est là-dessus que ça va aller. Ça, c'est la France. La mentalité Exactement. Française, c'est comment on va vous taxer. Ça, il n'y a pas de mystère. Et juste pour répondre à quelques questions que je vois présentement sur le chatroom, on a Vicious qui me demande si le niveau 2, c'est le carnet d'ordre. Et oui, c'est bel et bien le carnet d'ordre. Ouais, j'ai répondu tout. Donc, d'ailleurs, ça se dit pas. Ça se dit niveau 2 vraiment au Canada ou c'est level 2? Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de level 2. J'ai jamais entendu parler ouais, de niveau 2. Les Américains, level 2, on peut l'appeler level 2, mais on s'entend, là, peu importe comment on l'appelle, ça revient à la même chose. Ça peut être le carnet d'ordre, on peut la profondeur de marché ou peu importe. Donc, ça ne change pas grand-chose rendu là. Mais. C'est ça, c'est le carnet important en tant que trader. Pour moi, là, si je n'ai pas ça, je ne peux pas trader. Je vais trader dans le vent, absolument n'importe quoi, faire du gambling dans un sens. Mais là, ce que je fais, ce n'est pas du gambling. Quand je me mets à focusser à quelque part, c'est le niveau 2 qui me donne mon alerte. C'est le niveau 2 qui va me dire « achète là, là, à ce moment précis-là ». Et on parle de 1, 2 ou 3 secondes pour embarquer là, parce que dès que tu vas avoir manqué le move, tu ne seras plus capable de gérer ton risque. Et après ça, on risque juste d'embarquer justement dans des spikes qui on nous drop dans le visage et qu'on perd. Donc, c'est des moments bien précis sur le carnet d'ordre qu'il faut regarder. Donc, chez nous, ça s'appelle la quasi-certitude. C'est-à-dire que ce qu'est en train de dire Dany, tout simplement, c'est que tu peux avoir une stratégie globale. La seule chose qui pourra t'envoyer le start, en tout cas pour... véritablement, Dany, c'est la lecture du carnet avec certaines lignes qui affichent des anomalies, des excès. On appelle ça des lignes de soutien. On appelle ça effectivement faire du price action, faire tout un tas de choses. Bref, sur le carnet, on arrive à lire absolument la mentalité de ceux qui tradent, c'est-à-dire quelles sont leurs intentions. Et en plus, sur le carnet level 2, tu as, si je me trompe, tu m'arrêtes, Dany, tu as carrément le nom de l'opérateur. Ça veut dire que dans un souci de transparence, la SEC a obligé à ce que le nom de l'opérateur apparaisse sur le carnet. Moi, je trouve ça bien. Ben, c'est bien, mais pour ce que ça change, moi, bien franchement, on les voit là, qui sont ici, là, Arca, BAT, TotalView, Edge, New York Stock, on les voit tous. Mais je regarde jamais ça. Mais je le sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait des recherches là-dessus et qui savent que, par exemple, quand on va voir Arca arriver ou des BATs arriver, bon, il y en a que c'est des plus gros joueurs dans le marché, il y en a que c'est des plus petits. Excusez-moi. Donc, à cause de ça, ils vont avoir leur alerte différemment de moi. Donc, ils vont savoir même que, par exemple, EDGX, c'est peut-être plus des crosseurs qui vont essayer de t'avoir. Donc, quand ils vont voir ce market maker-là, ils vont dire « Ah non, plus ou moins. » Mais je n'ai pas fait encore vraiment cette analyse-là. J'en ai pas besoin, je m'en sers pas vraiment. Peut-être que je serais meilleur, mais quelque part, Luc, là, la bourse, là, c'est tellement vaste. Il y a tellement de manières de faire. Il y a tellement de méthodes. Il y a tellement de détails importants qu'à un certain moment, si tu fais
pas abstraction de tout ça, tu ne seras jamais capable de focusser à quelque part. Donc, moi, à quelque part, j'ai tout éliminé, ce qui me faisait perdre mon temps, et je garde l'essentiel qui est un graphique et un niveau 2. C'est tout. Ça finit là. Parlez-moi pas des lignes, des supports et blablabla. Hey, tu sais, y a-tu quelque chose, Luc, de plus ridicule que les fameux moving average? OK? Pourquoi je dis ça, Luc? Le moving average, par exemple, on va mettre un 50 moving average. OK? Mais là, le monde va dire, ah, yeah, oui, on est arrivé sur le moving average en 5 minutes. Oui, en 5 minutes. Puis en 6 minutes, il est où? Puis en 3 minutes, il est où? Puis en 1 minute, il est où? Tu vas toujours trouver une raison, une ligne que tu viens à côté. Tu as juste à changer le time frame, puis elle change de place. Donc, il y en a toujours de ça. Ça donne absolument rien. Et en tout cas, je ne suis pas un amateur de justement tous ces indicateurs-là. Pour moi, ça ne donne rien. Tu changes le time frame, ça change d'endroit. Donc, tu vas toujours trouver un endroit qui va toucher le moving average. Ah oui, c'est le bon point pour rentrer. Là. Ben oui, mais change le time frame. Puis, c'est plus un bon moving average. Puis, il ne touche plus. Puis, il touche un autre moving average. Ah, c'est ridicule comme ça. Donc, si vous regardez mes graphiques présentement, là, j'ai pas 12 millions de choses. J'ai le graphique, j'ai les volumes, j'ai le niveau 2. C'est tout. C'est avec ça qu'on trade. Et c'est ça que vous appreniez, surtout dans les penny stocks. C'est encore plus facile dans les penny stocks. Pourquoi? Parce que les quantités sont massives. Des fois, on voit, tu sais, c'est du 5 10 000 acheteurs, vendeurs, 5 10 000, 5 10 000. Puis tout d'un coup, oh, 250 000. Car j'ai même pas besoin de penser rendu là. Luc, je paye sur le bouton. On verra après. Au pire, je leur prends dans le 250 000 acheteurs. Donc, c'est pas si pire. Donc, c'est super évident, mais il faut savoir analyser le fameux niveau 2. Et ça, on y arrive avec l'expérience et le temps, tranquillement, pas vite. Absolument. Deuxième petite page de pub, coupure pub. Oui, on y va à présent. On va parler de crypto, mon cher Luc. Avec les cryptos, on terminera avec les cryptos. À tout de suite. Merci, Dany. Alors, on revient avec Dany Murray. Dany Murray, le spécialiste des penny stocks, mais aussi de la crypto-monnaie, Dany. Tu vas nous parler de la crypto. Oui, ben, pas un spécialiste, mais je vous donne mon point de vue avec mon analyse, ma façon de voir les choses. Le reste, je m'en fous. Tu sais, moi, comme j'arrête pas de te dire, Luc, tout ce que je vois autour, les nouvelles et tout, ça se reflète dans le graphique. Le graphique me parle. Le graphique me dit qu'il y a une nouvelle. Le graphique me dit que ça va monter ou me dit que ça va crasher. C'est comme ça qu'on le voit. Et je fais complètement abstraction de tout ce qui existe sur la planète et je regarde tout simplement le graphique. On va le regarder présentement. Moi-même, je n'ai pas fait l'analyse. Donc, on va voir vers où ça s'en va maintenant avec Dany Murray Trader. Donc, je m'en doutais, mon cher Luc, de ce qui se passe présentement. Présentement, mon cher Luc, j'ai mes premiers doutes. On va la regarder en plus court un petit peu, peut-être 6 heures. Donc, en 6 heures, on a eu des gros volumes de vendeurs. OK, 2 secondes, on va voir si je suis capable de me tasser de là. Tassons-nous. Donc, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est parlé, on était ici, on était en train de faire le bull flag. Tu m'as dit le Bitcoin à 50 000 points, tu m'as dit. Voilà, je retiens ce que tu as dit. Mais c'est ça, c'est pas une question de où ça va aller, mais ce que je disais, c'est qu'on avait monté beaucoup quand même, je pense, de 8 009 à 12 13 000, c'était-tu là ou c'était après ça? En tout cas, je pense qu'on était ici, là. OK, je te disais, il n'y a aucun vendeur. Il n'y en a pas de vendeur. C'est surprenant comment il n'y avait pas de vendeur. Mais tout d'un coup, ici, Luc, c'était les gros vendeurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé d'après toi? J'en ai aucune idée.
comme ça ça. va, aucune importance. Bon. Sauf que toute bonne chose a une fin. Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, et là, évidemment, j'en ai vu commencer à se plaindre sur Internet. Bon, c'est ça, quand Jacques achète le Bitcoin à 14 000, là, il se fait descendre. Ben oui, mais. Si Balak, la bande, réveillez-vous, là, c'était pas le temps à 14 000. Mais en tout cas, j'ai eu un gros doute sur ce qui se passe et sur le trend qu'on va avoir à cause de ces ultra gros volumes-là. On en avait quatre en ligne qui dépassaient tous les volumes qu'on a vus depuis des mois. Donc, c'était mes premiers doutes. Là, on s'est mis à descendre un peu. On est allé tester un certain support autour du 10 000. Bon, c'est bon, on en est là. Où on en est aujourd'hui, on a deux choses. Moi, je crois que ça risque de continuer à monter. Peut-être que le Libra va tout mêler les affaires et tout ça, là. Mais pour l'instant, on est en formation d'un gros bull flag. Donc, mais malheureusement, j'ai un doute à cause de ces quatre gros volumes-là. Donc, ces gros volumes-là étaient ici, comme tu peux voir. C'était les quatre dans la même barre, là. Donc, super gros volume. Et là, présentement, avant ça, là, c'était achète, 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 achète. On n'arrête pas d'acheter, on n'arrête pas d'acheter. À tout d'un coup, là, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend. Là, on a deux options, OK? Si tu regardes, on a le top ici à 13 970. On a un top plus bas ici à 13 100. À mon avis personnel, on a des chances que le downtrend commence, OK? Mais ce n'est pas ça que présentement je vois. Je vois peut-être la construction d'un bull flag. Donc, ce qui veut dire que là, on a un sommet plus bas que le dernier sommet. Et là, ça risque de prendre peut-être un mois, un mois et demi, avant de compléter ce fameux bull flag-là. Donc, théoriquement, devrait peut-être redescendre à 10 500 Ah oui, pour quand faire même. Ah oui, quand même. Ouais. un beau bull flag, là, tu sais, une belle baisse. Donc, le 10 500, pas mal possible pour faire un beau triangle qui va être parfait comme ça. Je le dessinerai bien, mais je ne peux pas dessiner sur ce graphique-là. Donc, on a la ligne à 13 900 qui descend à 13 100 et on a la ligne aussi qui monte, qui part de 9 000 ici, qu'on monte à 10 200, qui va monter peut-être 10 500, 11 000 autour de ça, là. C'est difficile pour moi d'être précis sur ce graphique-là. Donc, tout ça mis ensemble, on a deux options. Soit que les gros vendeurs sont arrivés et c'était la fin de la hausse du Bitcoin, ou soit on va avoir une continuité si on travaille ce fameux bull flag-là et si ça perdure pendant encore quelques jours, semaines, à la limite mois. Parce qu'on a eu toute une hausse quand même de 3 400, je pense, à 14 000, on s'entend, toute une hausse. Sauf que là, on a besoin d'un beau bull flag pour acheter tous les vendeurs qui sont là, et il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on voyait auparavant. Auparavant, on avait toujours des grosses barres vertes et des plus petites barres rouges. C'était toujours comme ça. Pour la première fois, ici, on a une barre rouge qui est plus de volume, qui est plus grande que la barre verte de hausse. Mon premier doute est là. Reste à savoir, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire ça va monter, ça va descendre, mais ce que je peux vous dire, c'est que mon doute est arrivé ici. J'avais aucun doute avant et là, mon premier doute vient d'arriver là. Donc, faites vos conclusions, tout le monde a son opinion, personne n'est devin, donc je ne sais pas où ça va aller exactement, mais pour l'instant, le graphique a l'air à se dessiner, un beau gros bull flag. Reste à voir si justement on va casser cette ligne de support-là, qui est autour du 10 500. On pourrait même faire un double fond à 10 000. On le voit souvent, en tout cas dans les stocks à la bourse. Donc, on pourrait retourner à 10 000, tester, voir est-ce qu'on casse vraiment le 10 000 ou on ne le casse pas. Et si là, on fait on casse, non! Ben, c'est peut-être là qu'il va être l'alerte de se dire ça ne cassera pas, on repart à la hausse. Donc, c'était mon petit résumé pour la journée, mon cher Luc. On se croise et moi je suis acheteur, hein. Je reste acheteur positif plutôt sur le Bitcoin. Moi c'est même plutôt fondamental que même graphique. C'est assez rare quand je me prononce de cette manière-là. En tout cas, comme je te l'ai déjà dit, je vois une grosse crise monétaire arriver très 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 vite. Et effectivement, il va bien falloir acheter et vendre avec une certaine monnaie. Et le Bitcoin ne durera pas, hein. Moi, mon sens,
Il ne jouera pas le rôle de Galion. Il ne durera pas, mais oui, il progressera. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas mal de choses qui arrivent, y compris celle de Facebook et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça va donner un gros élan et une grosse bulle spéculative. Merci beaucoup, exactement. Dany, pour ton expertise là-dessus. Le mot de la fin, peut-être? Le mot de la fin, ben revenez-nous la semaine prochaine, mon cher Luc. Faut pas m'oublier. Abonnez-vous à la chaîne à Luc. Et on avait une question tantôt au sujet de Mika, Luc. Et même moi, je connais Mika. Peux-tu nous dire quelque chose juste pour finir? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a demandé comment ça s'est fini avec Mika. Oh, c'est quelqu'un, si tu veux, c'est quelqu'un qui est venu me voir. Parce que quand il est arrivé, il a dit qu'effectivement, je disais du mal sur lui, je disais du mal sur tout le monde, que j'étais agressif, que j'étais nerveux, patati patala. Je lui ai fait quand même gentiment remarquer que quand il est, c'est lui qui est venu, je vais quand même te décrire la situation. Ils sont venus à quatre, hein, quand même. Hein, ils ne sont pas venus tout seuls, donc il m'a avoué qu'il avait peur de prendre un coup de poing quand même. Bref, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas du tout agressif. Et j'ai fait comprendre à ce très jeune, hein, par rapport à moi, à ce très jeune, qu'il évoluait dans un milieu hypocrite au maximum, et ce n'est pas toi qui vas m'en dire le contraire. Il y a très peu de gens honnêtes dans ce milieu. De toute façon, la finance en tant que telle, c'est un milieu pourri, ça c'est clair. Très pourri. Moi, de toute façon, je lui ai dit gentiment, j'ai dit tu penses ce que tu veux, parce qu'il a commencé par me dire t'es un menteur et ainsi de suite, et j'ai compris après qu'il était en train de filmer, et c'est pour ça qu'il était très énergique. Quand la caméra s'est coupée, le ton est redescendu. Je lui ai dit clairement, ben oui, je lui ai dit je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un gamin non plus. Donc, je lui ai dit que moi, il n'y avait aucune difficulté. J'étais prêt à stopper clairement ce que je disais sur lui à partir du moment où il arrêtait de nous attaquer. Il m'a promis qu'il le ferait. Il m'a promis qu'il ne nous avait jamais attaqué. Tu me permettras d'être un petit peu quand même sceptique sur ce qu'il dit. Mais néanmoins, il avait l'air de bonne foi. Je souhaite que véritablement, il le soit. Les mecs qui étaient avec lui ne sont pas des mecs méchants. Sincèrement, voilà, ça s'est discuté, ça s'est réglé. Il ne pensait pas que j'allais sortir a priori parce qu'il a usé de stratagème. Mais moi, on m'appelle, je viens. Dany, moi, je crains qu'il y ait personne hein, en tant que tel. Je viens, je me déplace. Quelqu'un qui me dit, Luc, voilà, c'est réglé. Je viens de voir parce que je veux véritablement arrêter tout ça. Ben, j'ai dit, avec moi, ça sera fini. À partir du moment où tu tiens ta communauté, à partir du moment où tu tiens ce que tu dis, je te le promets, moi, je ne parlerai plus de toi à partir du moment où tu me fous la paix. Il m'a dit, moi, je te fous la paix, tu me fous la paix. J'ai dit, OK, aucun problème. J'ai dit, par contre, tu tiens aussi ta communauté. Et là, c'était un peu plus compliqué. On sait très bien qu'aussi. Mais ouais, mais c'est un peu moins marrant, Dany, parce que souvent, les gens cherchent des problèmes. Ils aiment quand ça se fight. Alors que nous, on a du taf, tu vois ce que je veux dire, Dany. Nous, on a du travail. Ça ne sert à rien d'aller remuer le caca, patati patala. Bref, au final, il est clair qu'on a une divergence d'opinion globale sur ce monde du trading, que je connais parfaitement, que lui ne connaît pas très bien, à mon avis. Mais ça s'est fait dans l'intelligence, ça s'est fait effectivement à la fin, quand la caméra a été coupée, ça s'est fait dans l'intelligence et ça s'est fait effectivement dans la bienséance. On aura sûrement à échanger une dernière fois parce qu'il a dit certaines choses. A priori, je n'étais pas au courant, donc on va pouvoir en parler une prochaine fois. Néanmoins, je te l'admets, il a son travail, j'ai mon travail. Il s'engage à plus parler, on ne parle plus de lui. Terminé, on en reste là. J'affirme que je n'ai pas été le premier à dégainer le pistolet et j'affirme aussi que moi, comme toi, quand on nous cherche, on nous trouve. Eh oui, on va nous trouver. C'est ça. Take care, Chus Angel. Merci beaucoup, Dany. Et on sera là, bien évidemment, cet été à partir du 17, Dany. On recommence le 19. Tu reviendras avec nous le 19. Mais entre-temps, vous pouvez aller voir la chaîne de Dany Murray. Je crois que ta chaîne fonctionne cet été. Vous pouvez aller voir la chaîne de Dany Murray. Et ça vous permettra de passer le temps que la TV Fort Money fasse un petit break. Je vais presque vous demander l'autorisation de faire un tout petit break de 15 jours et puis une semaine pour nous remettre en place. Et après, on va tout défoncer, Dany. Parce qu'avec des gens comme toi, on ne peut que tout défoncer. Voilà, c'est tout. Eh oui, et des gens comme toi aussi. Et on défonce les méchants qu'il y a en Europe parce que justement, il y en a plein. Et je te remercie de faire ça parce que justement, il y en a tellement de fraudeurs à travers tout ça, plus en Europe qu'ici. Mais tu fais un très bon travail, Luc. On lâche pas. Moi, je t'applaudis pour tout ce que tu fais. Et merci beaucoup pour tout. On se retrouve à 8h, en tout cas 20h pour le FOMC. J'espère que tu seras avec nous. Ta participation dans les chats, Dany, de toute façon, est toujours appréciée. Vous, on vous veut. Alors, quelqu'un rigolait pour faire un peu de pub à d'autres nazes, mais ce n'est pas très grave. Vous êtes peu nombreux par rapport à tous les fakes qui envoient beaucoup, effectivement, de vues. Ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la quantité, c'est votre qualité. À tout à l'heure à 20h FOMC. Merci, Dany. Take care. Chus Enjoy. Ciao. Bye tout le monde. I know you're on a
Hello, Max. Hello. How are you? Doing well. Okay, doing well too. It's a beautiful day in Chicago. Of course, I'm very happy to come on Chicago for to see you. And we're happy to have you. Where are you now? Right now, I'm at Stage 5 Trading's headquarters.